Bonjour à tous et bienvenue pour version de la case numéro 22 du calendrier de l'Avent. Lego City. Je pense que vous n'êtes pas très nombreux à avoir vu ma vidéo. Les vidéos gaming sont de retour. N'hésitez pas à aller la voir, le lien est dans la description. Vous pouvez aller la voir. D'ailleurs, ça m'a fait plaisir, il y a un petit commentaire de Skiok, CMC, un truc comme ça. Il y a un petit commentaire qui a pas mis de commentaires sur la chaîne, donc je vous le demande. Merci à tous d'avoir pris en nous, hein, donc les vidéos gaming sont de retour, hein, enfin. Ils m'ont demandé depuis 8 fois. Pourquoi? Vous allez dire les miniatures. J'ai mon pas les steaks, les miniatures. De toute façon, allez voir la vidéo. De toute façon, vous avez qu'à regarder le début de ma vidéo. Parce qu'au début, je fais un petit truc avec du montage. Et quand je parle, vous m'écoutez parler. Mais regardez la vidéo en entier. Parce qu'au tout début, il y a un petit long. Il y a un petit court métrage au début. Et à la fin, il y a aussi un court métrage. Là, c'est la fin. C'est pour dire. En fait, les courts métrages, c'est une scène de DBZ. Genre, premier court métrage au tout début. C'est quand Sangoan se transforme en SJ2, mais là c'est remixé en mode. Voilà. Regardez la vidéo, ça va. Mais là c'est remixé en mode chez Mickey machin. Et à la fin c'est quand ça se fait défoncer par Sangoan, mais bien sûr c'est remixé en mode. Bref. Si vous comprenez pas, regardez ma vidéo. Regardez quand même moi parler au milieu de la vidéo où je parle. Donc écoutez-moi quand même, c'est assez important. Donc regardez la vidéo en entier, vous allez rester à vous. Voilà. Bref, en plus je me suis embêté à faire les mais bref, c'est plutôt des sous-titres. Bref. Donc voilà, oui, parce que j'ai repris la scène en japonais et j'ai modifié les sous-titres. Bref. Donc voilà, j'ai mis 2 minutes à expliquer. Donc, je vais vous dire où est la case numéro 22. La case numéro 22 se trouve juste là. Ici. À côté du petit robot. Alors est-ce que c'est le signe qu'on aura le robot? Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est un signe qu'on aura le robot aujourd'hui. D'ailleurs dans 2 jours c'est Noël. Hein. Dans 2 jours c'est la case finale, ça va passer super vite. Ah oui, d'ailleurs demain je vais sortir une vidéo Clash of Clans. Oui c'est le retour de Clash of Clans. Du coup voilà c'est le retour. Hein. C'est le retour de beaucoup de choses. Hein. D'ailleurs il y a le retour d'une chose que j'avais dit que je ferais plus. Je pense que vous avez oublié, mais je pense que ça va faire plaisir à certains. Donc c'est parti pour la case numéro 22. J'essaie de me dépêcher parce que maintenant je vais pas explorer en directeur. Pour la musique comme ça. Ah oui, la déco du jour. J'ai oublié de parler de la déco du jour. Alors la déco du jour, c'est un cadeau de Noël. Rouge. Il est pas comme l'autre. Hein. Genre, il est gigant, il est géant. Et il est plus beau. Donc c'est parfait, mais ça va dépêcher. Alors je pense que c'est l'hélicoptère. Là ça va pas assez du tout. Qu'est-ce qu'on a dedans? Et c'est le robot! C'est pas l'hélico, d'accord. Donc c'est le robot. Alors oui, la case était à côté du robot, c'était un signe qu'il y avait le robot dedans. Donc voilà ce qu'on a eu aujourd'hui, le petit robot. Alors en plus c'est bonne qualité. Donc c'est parti, nous allons le construire. Aujourd'hui ensemble. Alors j'essaie de vous parler de quelque chose. Et je vais vous parler de Boxer le robot. Oui, parce que vu que les vidéos gaming sont de retour, genre le Let's Play en Cachère qu'évolution il va continuer. C'est le retour de l'esprit Clash of Clans. Ensuite, je vais peut-être faire un nouveau l'esprit sur un jeu nouveau. Pour voir les indices, regardez ma vidéo qui est dans la description. Et c'est le retour d'un l'esprit que j'avais dit que ça allait s'arrêter. Bref, il y a beaucoup d'esprits. Il y a du gaming qui va réapparaître. Oui, parce que ceux qui ont quitté, voilà, vous n'avez pas vu. Bref. De toute façon, je fais ça pour le plaisir. Après, quand je vois qu'il y a des mecs que j'aimais, qui m'aimaient, qui partent et après on ne parle plus. C'est ça qui me fait. Enfin, je l'avais dit dans l'ouverture de la case numéro 21. Bref. Donc, ah oui, la voiture à construire. Le petit robot est malin. Bref.
Donc, le petit robot boxeur, vous allez dire, ouais, tout ce qu'on t'a dit, ouais, Lego, machin, tu vas plus faire. Alors, du coup, les vidéos Lego, j'en ferai quasiment encore. Malheureusement, bon, c'est pas grave. Et après, boxeur le robot, je vais faire des vidéos sur lui. Bah, je ferai aussi des vidéos Lego, hein. Mais moins, vu que maintenant, je m'en fous des miniatures. Parce qu'avant, les miniatures, je vous jure, sans miniatures, voilà quoi. Mais je m'en fous, car il y a plein de mes abonnés qui disaient, on s'en fout. D'ailleurs, le commentaire de Spurk COC, là. Je sais pas comment le prononcer, désolé. Hein. Il a dit bon, sur toutes tes miniatures, on veut juste la qualité de tes vidéos, c'est plus important. Franchement, merci, parce que tu m'en motives encore plus. Donc voilà. Hein. Donc, comme quoi, hein, on va foutre tes vidéos. Donc voilà, hein, ça fait plaisir. D'ailleurs, la dernière fois, on avait ouvert un booster. Non, on avait ouvert un booster. Si on arrive à 8 minutes et que j'ai pas encore parce qu'il faut qu'elle soit en HD. Oui, parce que maintenant les vidéos sont en HD. Et boxeur en robot, je ferai des vidéos avec lui. Des petites vidéos, même si je peux faire une vidéo, je m'en fous. Pas encore une vidéo. Ok, c'est bon. Tac. Je vais bloquer sur un truc. Bref, des fois je bloque sur les constructions de Lego. Enfin, le boxeur le robot, je ferai beaucoup de vidéos avec lui. Vraiment, ce sera le best en fait. Voilà. Je l'attends avec impatience. En fait, chaque Noël, j'ai entre guillemets un objectif joué. C'est-à-dire, à Noël, il y a un jouet que je veux le plus. Peut-être un objet qui se démarque des autres. Un objet que je veux plus que les autres. Et par exemple, là, ce jouet, c'est Box Alien. Et vu que c'est un robot, on pourra faire pas mal de choses avec lui, comme des petites expériences. Donc, faire pas mal de choses avec lui sur les petites vidéos, machin. Du coup, voilà. Ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas que ça. Hein. Vous inquiétez pas. Il y aura aussi du bas. Par contre, les lives, c'est pas sûr que je reprenne, hein. C'est dommage. Mais bon, vous avez mon téléphone, il fait chier. D'ailleurs, dans la vidéo, il se fait tuer. Bah oui, bah comme c'est original, normalement, celle, il se fait tuer. C'est bon. Bah en fait, le téléphone, je l'ai pas éclaté, hein. Je l'ai pas fort. En fait, c'est juste que le plan, entre guillemets, machiavélique du téléphone, c'est fait détruire. Ça parce qu'on dirait, franchement, le téléphone, il doit me faire chier. Genre, en fait, depuis que je suis petit, j'ai des problèmes, mais que personne n'a. Par exemple, à un moment, je vous jure, sur la tête de ma mère, et la tête de ma chaîne, que un moment je pouvais même plus filmer. Hein. Je pouvais même plus filmer. Et j'ai dû redébarrer mon téléphone. Vous allez dire, moi c'est un bug, hein. Mais je venais juste. En fait, je l'avais éteint. Parce que à chaque fois, quand je me couche et que je charge mon téléphone, je l'éteins. Hein, comme ça, la batterie ne peut pas exploser à tout côté. Et en fait, ça charge plus vite. Après, je sais pas pourquoi. Parce que toute la nuit, même avec la Wi-Fi 3G, tout ce que tu veux, il va pas faire fou. Mais je fais ça. Et dès que je l'allumais, je mets les codes, tout ça. Et il fait ça. Des fois, mon téléphone crée des problèmes, mais voilà. Et d'ailleurs, à un moment, mon téléphone a supprimé toutes les vidéos et toutes les photos. C'était il y a un an. Et je peux même plus les récupérer. Et pour vous dire, j'ai des problèmes qu'on dirait que je suis seul à avoir. Voilà. Alors là, il faut rester pêché. Donc, je fais une ellipse pour faire la petite batterie là, à côté de lui, ou une pile, je sais pas ce que c'est. Donc, voilà, donc à tout de suite. Voilà, j'ai fini de faire le petit robot avec ta toupie et le truc là. Voilà, on recharge. Lui, et il peut marcher. C'est boxeur. Même si boxeur c'est un carré violet, ou bleu, ou même noir. Bah, moi je l'ai pris en bleu. Donc voilà, c'est un petit robot. En pièce de rechange, on est servi hein, comme pièce de rechange. On a tout ça, bon, je vais pas tout vous mettre. Hein. On a tout ça, et d'ailleurs, ça va être très utile. Hein. Je peux faire des petits trucs avec. Donc voilà tout ce qu'on a eu comme on va pouvoir le passer dans le décor parce que je me dépêche vu que je filme avec Power Director et du coup bah quand c'est trop long bah ouais faut mieux t'en acheter. On va le mettre dans le petit robot avec sa petite pile. Je vais faire voler avec sa petite pile. Le petit robot il est tout mignon. Donc on va ouvrir les boosters. Alors ça va aller assez vite, c'est pour ça que vous allez croire que ça va accélérer. Donc c'est parti, allons ouvrir les boosters. Donc dans deux jours c'est Noël. Hein. C'est ça. Ça passe trop vite.
Bref. Donc c'est parti pour ouvrir le petit booster. Mais ce petit booster. C'est l'avant-dernier de l'avant-dernier booster. Hein. Donc c'est parti. Je sais pas si normal si ça de quoi. Le pilote de course. Alors je crois que c'était un truc de Noël ou un truc comme ça. Donc le pilote de course. Le plongeur. La chauve-souris vampire. D'accord, l'alpiniste. Le moulin à vent. Et le panda. Donc, alors les deux brillantes, je les ai déjà eues. Et après, en fait, ça s'est inversé. Parce que la dernière fois, toutes les cartes là, c'était des doubles. Et les deux brillantes, c'était des. C'était. On les avait pas, c'était des nouvelles. Là, tous ceux-là, c'est des nouveaux. Et les brillantes, c'est ceux que j'ai eues. Donc voilà ce qu'on a eu, hein, des petites doubles. Donc voilà, si vous avez aimé l'ouverture de la case numéro 22, n'hésitez pas à liker, commenter, abonnez-vous, partager la vidéo et je vous attends. Ciao. Ah oui, c'est bon. J'ai plus besoin de le faire. Bon, allez, ciao.